coucou les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Alors vous n'avez pas oublié que dans ce nouvel épisode, qui va forcément être consacré à Star Wars, nous allons faire gagner un magnifique pop bébé Yoda, que voici, que voilà, 9 en boîte. Il vient juste de sortir, hein. Ça c'est tiré du Mandalorian, voilà. Vous êtes nombreux à participer, on est très contents. On est très contents, on a fait plus de 1000 vues avec la première vidéo Star Wars, ça c'est génial. Et là on espère qu'on va faire plein de vues avec vous. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, vous voyez, c'est juste là. On va faire un tirage avec une main innocente. Et un roulement de tambour qui va bientôt arriver. Attention, c'est parti, let's go. Fouille bien. Et c'est Nico le Titan qui a gagné. Ouais. Montre. Nico le Titan. Donc Nico le Titan, il faudra nous envoyer, tu vas avoir une petite adresse en bas Instagram, ou peut-être mon adresse mail. Tu vas pouvoir m'envoyer par mail tes coordonnées, ton adresse postale, et on va t'envoyer le bébé Yoda dès que possible. Voilà, on est content que tu aies gagné. Et voilà. Ne perdez pas espoir, les autres, il y en aura bien sûr d'autres. Hein. Voilà. Aujourd'hui, un épisode Star Wars, également Funko, forcément. L'épisode, en fait, c'est la série 5. Vous savez qu'on s'était arrêté. Il y a eu la série 1, la série 2, la série 3, la série 4. Avant d'attaquer carrément une autre part, une autre facette de Star Wars. Là, on va finir sur l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque c'était ça. C'est la série 5. Alors, suivra la série 6, d'accord? Mais elle était un peu longue, on n'allait pas vous faire un épisode de 15 minutes, ça va vous saouler. Donc aujourd'hui, on continue avec Lily Rose. Luke, combinaison. Ouais, sur Hot. Voilà. Donc lui, c'est le numéro 34, vous voyez? Luke Skywalker sur Hot. C'est quand, voilà. Donc tous ces personnages sont tout le temps, sublimes, vraiment bien réalisés. Voilà. On ne dirait pas trop que c'est Luke comme ça. On peut voir que c'est n'importe qui. Non, il est quand même bien fait avec cette petite visière là. C'est vraiment la petite visière qui est hyper reconnaissable avec le petit casque. Voilà, donc ils ont toujours le socle Star Wars, hyper important. Ils sont toujours dessous, forcément. Avec un petit reflet. Numéroté et voilà, avec marqué estampillé avec l'année. D'accord? Donc ça, c'était le 34. Ensuite, on continue avec un personnage un peu sympa qu'on retrouve de mémoire dans le palais de Jabba, mais ceux qui sont fans et qui me corrigent souvent me corrigeront dans les commentaires. Il s'agit de... Bosk. Qui n'aime pas les Wookiees et qui veut les chasser. Ouais, il supporte pas les Wookiees. C'est un chasseur de primes. Voilà. Donc il fait une courte apparition dans le palais. Et il est... un peu reptilien, quoi, sur les bords. Vous voyez, si vous regardez bien le personnage... Là, il est quand même... Un peu oiseau, reptile. Ah, je sais pas. Moi, je dirais plus reptile qu'autre chose. Tu vois, il a quand même des écailles un peu partout. Il a le blaster. Voilà. Toujours bubblehead, forcément. Ils sont tous bubblehead, ceux-là. Voilà. Lui, c'est le numéro 35. On enchaîne avec un méchant emblématique, au même titre que Dark Vader. Lui, c'est... Palpatine. L'empereur Palpatine. Voilà. Donc là, il est quand même bien dark. Encapuchonné. Et on vous montrera à la fin une version un peu exclusive. Il était sorti en holographique et il est vraiment génial. Ça ne veut pas tourner aujourd'hui. Je pense que la vitrine fait la grève. Il n'y a pas assez de soleil. Vous voyez, donc il est quand même relativement bien fait. Voilà. Avec sa canne, il invoque la force. Super. Ensuite, un autre personnage. Hammerhead. Alors Hammerhead. Un escargot à moitié. Non, mais on pourrait le traduire par Hammerhead. Littéralement, c'est tête de marteau, quoi. En fait, il apparaît de mémoire, hein, parce que tout ça c'est de mémoire. On prépare pas trop les émissions à l'avance. Hein. Lily Rose et moi, on va chercher parce que tous les pop Star Wars sont rangés dans un autre endroit. Ici, vous avez plutôt, vous voyez, Gardien de la Galaxie, Venomisé, du Deadpool. Pas mal de Marvel, de DC Comics et Toy Story. En fait, les Star Wars sont rangés dans mon garage, en fait. Et j'ai une grosse collection, voilà. Et on va les chercher à chaque fois. Alors, on prépare pas forcément l'émission. Donc, je crois que de mémoire, Hammerhead, c'est un personnage qui apparaît dans la cantina. Voilà. C'est une espèce d'alien qui est dans la cantina. Il est
Vachement bien réalisé pour ceux qui se rappellent. Alors c'est des personnages secondaires, ça, enfin Germain, c'est des personnages qui font de très courtes apparitions, mais c'est comme c'est des aliens, et puis qui sont quand même super cool, Funko avait décidé de les commercialiser. Ensuite, on enchaîne avec le Biker Scout. Voilà. Donc lui, il a vraiment, vraiment une dégaine particulière pour un Stormtrooper. Il conduit le speeder hein, dans la forêt. Voilà, c'est le Biker Scout. Dans l'Empire contre-attaque. Non, dans le Retour du Jedi. Bah, vous me direz en bas, de toute façon, pour les fans. Voilà, je suis fan, mais parfois, j'ai des petits manques. Il y a tellement de personnages. Vous voyez, donc lui, il est quand même hyper bien réalisé. Vous vous rappelez tous de ces Biker Scouts qui se font voler d'ailleurs le speeder par un petit Ewok. Voilà. Entre autres. Ensuite, l'avant-dernier personnage de... On part sur du gros pop que j'adore. Je te laisse l'annoncer. Wampa. Donc lui, il est vraiment génial. Il est énorme. Ouais. Donc lui, pour ceux qui se rappellent, il apparaît dans l'Empire Contre-Attaque. Et il essaye de mettre en pièce Luke. Alors il y a aussi un coffret qui existe que j'ai pas. C'est curieux, mais je l'ai pas. Il existe avec sa main tranchée parce que Luke se sert de la force, prend son sabre, lui coupe la... Parce qu'il est suspendu par les pieds et ouais, voilà, il est juste génial, vous voyez, un mélange entre un vilain homme des neiges et une espèce de taureau avec des cornes, le Wampa, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il existe également, je ne l'ai pas, il existe en floqué. Qui est tout doux, je ne l'ai pas, mais bon, je suis content d'avoir celui-ci. Et on finit cette série 5 avec le personnage qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci... En version holographique, vous savez que ces versions holographiques, c'est des versions un peu fantômes, un peu particulières. Elles sont bleutées, vous voyez. Et elles brillent dans le noir, non ? Celle-ci, elle est glow in the dark. Ouais, elle brille dans le noir. Ça, c'était une version exclusive de l'empereur Palpatine. Voilà, avec sa canne, toujours pareil. Mais ça, c'est vraiment une très très belle pièce, vous voyez. Voilà. Les boîtes sont toujours... Voilà, vous voyez. Oh, il y a quoi là ? C'est quoi ça ? Ah, peut-être que j'ai la facture dedans. Combien je l'ai acheté cette pop? Attention. Ou alors c'est un mot doux. C'est quoi? C'est la facture. C'est la facture. Ah ouais, je vous mens pas, c'est la facture. Vous voyez? Ouais, 25 euros. J'avais fait un très bon achat ce jour-là. Et gardez vos boîtes. Je vous le dis, gardez vos boîtes parce que certaines pubs vont prendre de la valeur au fil du temps, pas toutes mais certaines. Les débiles, gardez les boîtes. Gardez les boîtes. Voilà. Parce qu'au début, souvent, on garde pas les boîtes. C'est ça. On vous rappelle que Nico le Titan a gagné ce magnifique, magnifique bébé Yoda. Donc tu peux le retrouver sur l'Instagram là qui va se mettre. Soit l'Instagram en bas, soit l'Instagram de Lily, soit je vais te mettre aussi mon adresse mail pour que ce soit vraiment confidentiel et que personne sache où on expédie ce bébé Yoda. Mais voilà, tu l'as gagné. On fera gagner d'autres pop, hein, parce que ça c'est un peu le délire, j'en ai plein. Et on fera d'autres concours. Là on a dépassé les 126 abonnés, donc on est super contents. Je pense que le prochain pop, on le fera gagner à quoi ? 150 abonnés ? Allez, soyons fous. On fera un autre jeu concours. Bah, quand même pas. Bah, si, quand même. On est bientôt à 150. Ouais, pas encore. Ça va, tu sais, il y a des moments, ça monte, ça descend, etc. On espère que cet épisode vous a plu. Voilà. Prochain épisode, ce sera le Star Wars série 6. Voilà, donc on vous dit à bientôt. On vous souhaite une bonne journée. Salut les petits clous. Ciao les petits clous.